Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, connectez-vous vite pour récupérer vos récompenses gratuites depuis la mise à jour de Fortnite qu'on a eu aujourd'hui. On a les défis du cauchemar qui sont arrivés, donc là on peut le voir. Défi du cauchemar, obtenez des récompenses en accomplissant des défis Fortnite cauchemar. Donc on va les récupérer tout de suite, donc dès que vous vous connectez, vous avez directement ce message. Là vous obtenez aussi l'émoticône Bobo vous regarde, donc on va s'en équiper bien évidemment. Et pour ceux qui se demandent où se situe les défis et où voir les récompenses que vous pourrez obtenir, vous allez tout simplement dans le pass de combat, vous allez dans les défis à la carte et là vous avez Fortnite cauchemar, donc les défis. Donc vous avez le premier défi qui vous rapportera 40 000 XP, donc devenir une ombre. Donc là je vous explique rapidement, de toute façon si vous n'arrivez pas à faire un défi, comme d'habitude il sera disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, comme ça vous serez au courant dès que la vidéo sort et elle pourra éventuellement vous aider. Donc là devenir une ombre, c'est très simple, depuis la mise à jour, dès que vous allez mourir vous allez devenir tout simplement une ombre, vous allez prendre votre revanche et votre but ce sera tout simplement de devenir une ombre 3 fois pour gagner 40 000 XP. Ensuite on nous demande de parcourir 100 mètres sur un balai de sorcières, donc je vous montrerai comment les obtenir. Ce sont tout simplement les nouveaux véhicules qui sont disponibles depuis la mise à jour qu'on a eu tout simplement aujourd'hui, qui donne également 40 000 XP. Et enfin, manger des bonbons, conseiller 4 joueurs, 25 bonbons. Et là, on gagne tout simplement le revêtement Ombre de Midas. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, pour chaque défi, vous gagnez tout simplement une récompense. Donc, on a, donc je vous affiche à l'écran ce qu'on va avoir en récompense. On a tout simplement une pioche gratuite, une émoticône Midas, un sac à dos avec un petit singe, donc c'est le petit singe Bobo. On a l'émoticône Bobo qu'on a déjà reçu dès que vous vous connectez. On a le revêtement Ombre de Midas qui est disponible juste ici dès que vous mangez tout simplement 25 bonbons, vous avez terminé le défi. Donc, franchement, on a pas mal de petites récompenses, donc vraiment les gars n'hésitez pas à vous connecter. Et pour ceux qui se demandent où sont les bonbons, pareil il y aura une vidéo disponible depuis la mise à jour. On a de nouveaux consommables disponibles, ce sont tout simplement les bonbons d'Halloween. Vous allez les chercher tout simplement et vous les ramassez, vous en ramassez 25 et vous avez tout simplement ce petit revêtement gratuit. Ensuite concernant la durée de l'événement, pour ceux qui se demandent, l'événement durera du 21 octobre au 3 novembre. Donc une fois le 3 novembre dépassé, l'événement ne sera plus disponible. Donc c'est tout simplement l'événement Fortnite Cauchemar. Et comme vous le voyez à l'écran, on a un nouveau skin Midas qui va arriver. Alors il est actuellement dans les fichiers du jeu, il arrivera prochainement, on n'a pas encore de date exacte, on sait pas si ça sera une variante de Midas ou s'il sera disponible en boutique, mais là on peut le voir que déjà c'est un super skin. Donc il s'appelle tout simplement pour le moment Revanche de Midas si je me trompe pas. Ici on peut directement voir qu'on a une nouvelle variante pour le Skull Trooper et on a des nouveaux skins juste ici. Là on a les sbires de Midas, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que les zombies, ce sont tout simplement les petits sbires de Midas. Donc c'est cette forme là qu'on prendra quand on mourra maintenant et on pourra faire un top 1 que Fortnite appelle tout simplement cauchemar royal. Donc si vous mourrez, au lieu de faire un top 1 royal, vous faites tout simplement un top 1 cauchemar royal. Alors actuellement on ne sait pas ce qu'on pourra gagner en faisant ce top 1. On sait juste qu'actuellement ce boss-ci, donc Midas comme ça, est disponible sur la map à l'agence en tant que boss. On ne sait pas actuellement s'il donne une arme ou tout simplement un pouvoir, vu que pour ma part je n'y suis pas encore allé. Donc n'hésitez pas à me dire les gars en commentaire si vous avez déjà été affronté le boss Midas, donc ce nouveau boss, et qu'est-ce que vous avez gagné tout simplement. Est-ce que ça donne une carte d'accès, est-ce que ça donne un pouvoir, ou tout simplement l'arme de Midas qu'il donnait avant, donc la mitrailleuse à tambour si je me souviens bien. Donc voilà, vraiment les gars n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez de cet événement en commentaire. Et pour finir, vous pourrez obtenir une nouvelle variante pour le skin Skull Trooper, donc qui s'appelle tout simplement le soldat festif, en participant à un événement. De toute façon j'y consacrerai une vidéo entière à ce sujet là comme ça vous saurez quand est-ce qu'il faut venir pour tout simplement avoir cette variante gratuitement, etc. Par contre, il faudra absolument avoir le skin Skull Trooper, sinon vous ne pourrez pas avoir cette variante-ci. Sur ce, les gars, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.